Aujourd'hui, c'est le challenge inter-entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'un challenge inter-entreprise qui regroupe 24 entreprises des Landes. C'est le comité départemental olympique qui nous a sollicité il y a de ça quelques semaines. Il cherchait un site pour organiser ce challenge. Donc ils sont venus, ils nous ont sollicité, ils sont venus visiter les lieux, ils ont trouvé les lieux extraordinaires. Et donc nous allons recevoir 24 entreprises qui regroupent donc 24 fois 4 concurrents par entreprise pour la soirée ici chez nous. Et donc les épreuves, c'est pas vous qui les avez choisies ? Non. Les épreuves, donc, c'est le comité départemental olympique qui a organisé 6 épreuves. Alors, c'est très ludique, c'est beaucoup de jeux, beaucoup de... Vous allez voir tout à l'heure, c'est beaucoup d'animations sur des... Par exemple, on va faire découvrir la course associée au tir. Voilà, on va faire découvrir d'autres choses. Il va y avoir du rameur, il va y avoir du vélo. En fin de compte, c'est très ludique, c'est vraiment fait pour associer le sport, la santé et le plaisir et la cohésion. C'est surtout le but de la cohésion dans le sport. On veut retrouver ça ici avec les entreprises. Ça va nous permettre également de faire découvrir la Cité Verte pour ces entreprises, pour éventuellement après pouvoir accueillir des séminaires, pour associer le travail de l'entreprise, par exemple, le samedi matin, et associer avec l'après-midi du sport pour recevoir un maximum d'entreprises et se faire connaître et développer la Cité Verte. Les équipes accueillies par Philippe Crosnier, le président du comité départemental olympique et sportif des Landes, et par Pascal Requena, maire de Hagetmaux, venaient de toutes les Landes. Mont-de-Marsan, Dax, Rion, Tartas et bien d'autres. Ainsi que 5 entreprises d'Hagetmaux, Duroux, Navaille, Land Confort, Espia et le cabinet Bermudez d'Haricot. Les participants avaient dû fournir un certificat médical et la protection civile était présente sur les lieux. Les épreuves étaient originales. Le laser run, le tap, frappe et smash, le pédale et rame, le handi puissance basket, le sens des obstacles et le chaos lectif. À l'issue de la compétition, un apéritif dînatoire était offert aux participants. Quant aux résultats, les premiers furent l'UFOLEP, suivis de très près par la SARL Duroux et Land Confort.